Ils ont déjà ouvert les murs. On fait la priorité. Comme ça, ils vont nettoyer le truc en rapidité élevée, vu qu'ils vont y aller à 12. Ouais, je sais que j'ai pas assez de ressources pour la cuisine. J'ai de la viande d'extraterrestres et ils veulent pas manger. Me crazy. Donc à bouffer de la viande d'extra. Casse les couilles. Il me casse la couille. Oh, les gars. Pense que c'était la botanique qu'il fallait faire en premier. On va voir, hein, mais. Il y a tout le temps des pubs. Impossible. Passé. Chouette. Désolé. Je peux pas grand-chose. Dis-toi que je ne touche rien dessus. Ça, je suis pas sûr que ça te rende plus heureux, mais. Moi, voilà, quoi. Oh, Cassio qui me sauce! Il m'en met plein les fouilles. Ouais, j'ai un tout peu l'impression que ça devient impossible de se faire payer par Twitch, parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont rien donné. Et salut mon Casio. J'espère que tu vas bien malgré le Covid, le suspicion de Covid. Oh, it's suspicious. Pas normal. Pas normal.
d'aller bien malgré le Covid. Voilà. L'euro par seconde, ce serait une bonne base. Ouais, mais je me ferais une thune de fou alors que je fais zéro vue, quoi. Ah, moi, ça va. Je fais mon petit poulet puré. Défoncer le bide, là, hier soir et ce midi. Ouh. Avec de la bouse. Faut que j'arrête parce que je vais prendre 75 kilos en 2 heures. Putain, je veux les tourelles de défense. Je veux que dans l'univers entier, on m'appelle Dark Vador. Baka. Ta 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 Ouais, on en est à mon troisième, 3 ou 4e essai. Je commence à avoir deux trois trucs sympas. Ah, c'est bon, on a nettoyé le vaisseau. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer à la suite. On va aller là récupérer les ressources et après on quittera cet univers vers le prochain. Mais cet angle-là, ouais, ça va, franchement ça va. Il y a juste les textes de. En fait, tu trouves des vaisseaux détruits ou abandonnés. Il y a juste ces textes-là qui sont en anglais, qui sont un peu chiants. Sinon. Et ils sont chiants parce que bah, t'aimerais pouvoir les lire plus facilement et que moi aussi je suis un gros flemmard, du coup je les lirai pas. Putain, mais il y a toujours pas de. Ah si, hein, ça c'est. Alors si on peut faire un petit peu de merchandising avec eux. Putain, 547 quoi. Oh là 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 là. Ça coûte une blinde. Il va falloir plus d'électricité. Power. On va envoyer Déborah. Elle a quoi comme arme, Déborah, déjà? On va envoyer Déborah. Il est où, mon vaisseau? Ah putain, c'est vrai que j'ai fait l'échange. Bon, bah laisse tomber, on la reverra après. Après.
De l'eau, on en a encore en grosse, grosse quantité. On va laisser les glaçons comme ça pour l'instant. Allez. C'est qui a le deuxième fusil? Allez, toi aussi, tu vas. Hop. C'est Betty. Betty. T'es où, Betty? Betty? Je t'ai pas dit d'aller là? Si je t'ai dit. Gars manquait un peu de fibre. Suis sûr que je t'ai dit de monter dans le vaisseau. Betty? Ah. Non? Je préfère. Hein. J'ai tellement hâte d'avoir les tourelles canon et de pouvoir exploser tout le monde. Elle s'est évanouie quoi. Alors c'est trop tôt, évanouie plutôt pas maintenant, s'il te plaît. Il y a les pirates qui vont arriver, je le sens. Je le sens, je le sens. Les pirates, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Call me crazy. On va voir ce qu'on peut fabriquer avec ces gros bennes là, je peux pas. Ça se trouve, on va pouvoir améliorer la vie de notre équipage.
Faire de la nourriture. Et d'autres conneries. Désolé les filles, mais c'est à vous d'y aller. Vous êtes mes expertes de la bite. Donc, hop. On trouvera peut-être un sixième membre d'équipage dans ce vaisseau. Qui sait? Il n'y avait pas du tout de truc que je voulais. Merde. Il restait une pièce. Allez, faut pas se laisser abattre. C'est une blague? C'est une blague pourrie? En plus, tu me fous des haltères? Elle est où, mon être? Allez. Elle est jamais bien loin!
fonction de la musique du sport là, Davina et je sais pas quoi là. Je prendrais la musique de Benzaï là. Parfait. Ouais, je suis pas plus inquiet que ça, tu sais. Je commencerai à m'inquiéter le jour où je me ferai striker, parce que vu le nombre de musiques que je passe. Ouais, j'ai joué à Cyberpunk, j'ai pas mis le truc anti. Le truc spécial streamer, je l'ai pas mis en place, et j'ai pas eu un seul problème, tu vois. On n'est pas assez gros pour avoir à s'inquiéter de ce genre de truc, je pense, pour l'instant. Ça aide pas en cristal. Hein. Faut leur en trouver. Ou en fabriquer. J'aime les voir démonter des épaves. Ça me met en joue. Je veux dire, s'ils avaient des armes, ils se seraient peut-être pas fait niquer aussi. Non.
Ah, mais il y en a là. On peut le récupérer, hein. Faut que je recule deux papiers aussi. Je pense. C'est ça pour la semaine prochaine, je pense. En tout cas, fais des gros bisous à tout le monde. C'est très gentil. J'aime quand tu me dis des trucs comme ça. Que Bacal, moi ça me fait rire, mais je pense qu'il y a des gens que ça ferait pas rire. Elle est en train de tirer tout le cuivre qui reste dans les murs. Après, on est des cis blancs hétéros mâles dominateurs, donc forcément, cela nous touche moins. Pourquoi il y a du caca par terre? Vous me faites peur, les gens. Ça, c'est des gentils. Eh ben, manège. Si t'as fait un mot.
T'as bien qu'ils s'y mettent quand même. Il va falloir qu'on ouvre des deuxièmes toilettes. Hein. En espérant qu'ils nous vendent des ressources pas trop chères. Ah putain, ils sont pas. Sera attaqué par des pirates. Ah, tu iras en rechercher demain. Putain, mais laissez-moi tranquille, les pirates, j'ai rien fait, moi. Je veux juste aller dans une zone avec des pirates. Sinon, on va mourir. Ce sera la fin de Baka Heaven 3 ou 2, je sais plus.
Peut-être survivre 5 minutes de plus. Bon, moi je sais que ça servait à rien de chercher tout de suite les armes, de toute façon on peut pas les avoir. Faire tout de suite les plantes par contre. Ça caille un peu quand même. Ah ouais, t'es vraiment parti en mode vieux gars. On est sauvés pendant 5 minutes. Et tu viens quand même de me sortir Sakai parce que je t'ai dit bah t'iras vraiment chercher demain. Peut-être je vais souffrir. Peut-être. Peut-être que je suis déjà allé chez toi et que je sais comment tu vis. Et j'avoue, il fait frais, hein. D'ailleurs, il devait neiger, je crois, aujourd'hui. Hein. On devait atteindre des jolis pics à moins 3, moins 4. Vas-y, Jasmine, il reste 4%, quoi. Bon, bah, Déborah, vas-y. Montre-lui à Jasmine. T'as déjà déménagé? D'accord. Ah, du coup, j'espère que tu t'es mis plus près, parce que pour les croissants et les pains au chocolat, j'avoue que plus loin, ça me fait chier. Quoi que tu vas me dire, de toute façon, t'es suspicion de Covid, donc tu peux même pas venir. Lui, il fait une pause direct dans les toilettes. Avec son café comme ça. Je sais qu'après, je vais aller caca. Putain, on a survécu 35 jours. C'est pas mal. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'ils sont pas en grande forme, les gars. Ils veulent pas manger de la viande alien.
comment on fait pour fabriquer des fibres, du coup? De la nourriture spatiale. The space food. Bien, c'est le moment de se barrer. Sauter. La question, c'est de savoir où on va. Là, il y a du minerai et tout. Et de l'autre côté, on a quoi? On a que l'inconnu. On va chercher des minerais. Et après, il y a de la glace. Parfait. En fait, j'aurais acheté une. Et tu continues en leading ou t'as acheté cette fois? D'accord. Attention que je me rappelle, vous étiez pas satisfait de l'Apollo, donc tant mieux. Enfin, tant mieux. C'était certainement le mieux à faire. Ça, c'est les besoins des familles nombreuses.
Let it snow, let it snow, let it snow. La 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 la. Ah oui, il y a un nouveau jeu aujourd'hui. Tous les jours à 17h. Que c'est cette fois?
J'avoue, s'ils offrent Space Haven, je passe une durite. Hein. J'ai acheté ce matin. Ça me ferait un peu chier. Darkest Dungeon. Excellent, mais je l'ai déjà. Let's go. Enfin, maintenant, je dois sur Epic. C'est vrai que j'ai jamais fait de live dessus. Ça pourrait être l'occasion. Mec s'appelle Casino Fangs, ça devrait pas être un bot, c'est ça? Ah putain, le nombre de bots qu'il y a sur le live, oh là là, oh, putain. Putain, mais Electronical Longboard, ça fait 10 ans qu'il existe ce machin. Et ils ont toujours pas réussi à le kick. Sérieux? Un live qui botte. Ça botte des culs. Jurassic Park, évolution à 4,50 € au lieu de 50. Ah ouais. Je sais plus c'est qui m'en a parlé il y a un ou deux jours. C'est peut-être Nobun. Ouais, quelqu'un qui m'a dit, moi j'attends Jurassic Park. C'était peut-être ça. Ouais, sur Steam. Et regarde les jeux qui doivent sortir. Les jeux gratuits Epic, Steam, Epic parce que ça se trouve, en fait, Epic il va bientôt l'offrir, ça se trouve. Jeu gratuit, épique. Noël. La liste a fuité il y a un moment déjà. Ça, c'était en 2019. En 2020. Darkest Donjon. Gratuit sur Epic à la fin du mois en fait. Demain c'est Mata in Portia, après il y a Night in the Wood, après Strumpendid, Solitarica, Torchlight 2 et Jurassic World Evolution.
À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'offrent, enfin qu'ils font une belle solde. Ils disent qu'ils vont réussir à en vendre un bon paquet avant. Ah, t'as raté City Skyline? Non, moi je l'ai pris. C'est Oddworld que j'ai raté, moi je crois. Ben, je le voulais pas spécialement, mais. Allez, réveillez-vous là, faut que je bouge le lit pour pouvoir ouvrir une porte. C'est quoi demain? My Time in Portia? Je sais pas s'ils joueront plusieurs My Time. Je me rappelle qu'il avait l'air sympa un petit peu. Un petit peu en graphique animé. Mais je m'y suis pas plus intéressé que ça. Il faut bien l'avouer. Vous allez le démonter ce fichu lit ou pas? Le fait comme des cons, ça me paraît en. Ce sera peut-être l'occasion pour qu'on joue ensemble. Fait que même pas, mais bon. Tu feras peut-être un effort pour une fois.
Oh, il n'y a plus rien à ramasser ici, donc on va se TP ailleurs. C'est magique, c'est des lasers. Putain, on a pas assez de minerais. Oh, on va pas faire ça, on va pas faire ça. 0%. On va pas mettre de la viande alien pour plus vite. Je sens que ça va me retomber dessus aussi. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est du minerai. Et il n'y en a pas ici. Donc, on va se TP. En espérant en trouver. Ah oui. Fait rien dans ce jeu, pourquoi ils m'ont forcé à m'arrêter? Et je sais qu'on est en ressources faibles. Il faut que je fasse quoi? J'essaie de rétablir la situation.
qu'ils comprennent pas au fait que j'en veux pas de ce vaisseau? Bien, une fois qu'on a récupéré tout le matos, on part d'ici et on laisse cette merde ici là. De toute façon, ce vaisseau n'avancera jamais à rien.
J'ai pas envie d'avoir un deuxième vaisseau pour l'instant, sachant que j'ai pas encore assez de monde d'équipage et que j'arrive à peine à survivre avec ça. Allez, on se casse. Comment je peux être trop lourd alors que j'étais prêt Du caca.
survivre une heure de plus. Putain, on va survivre, quoi. C'est beau. Surtout falloir qu'on se barre d'ici, on trouve du minerai à foison. À pas sauter avec un membre d'équipage en moi, non. Ah oui, ils ont construit une station directement sur de la Terre, enfin de la Terre, sur un astéroïde. Brand new baby doll. C'est quoi ça?
Ouais, tu t'en sors. Bah là, ça fait 4 heures qu'on est dessus et ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a un petit peu de crise énergétique, mais sinon, ça passe. Le vaisseau ressemble à ça actuellement. Là, j'ai croisé une colonie minière et je sais pas si ça serait pas intéressant de les attaquer en fait. Le truc, c'est que j'arrive pas à savoir s'ils sont beaucoup ou pas. J'ai un échange en cours avec eux. On va attendre la fin. Ça, c'est un autre problème. C'est bon, il y a un mec qui est sorti dans l'espace là sans combi. En fait, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir faire une expérience. Pouvoir dire bon bah on les attaque pour voir et si ça passe pas, recommencer. Y a trop de tâches en attente. Depuis que j'ai installé un nouveau toilette, les mecs ils vont toujours à l'autre. Surtout que celui-là était presque plein, quoi. Plein de trucs vides, putain, mais bougez les caisses et foutez-y dans les stocks, quoi.
Pourquoi t'es déçu? Dis-moi, dis-moi tout. Je peux peut-être arranger ça. La 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 compliqué de mettre les deux à la fois. Je l'avoue. Mais ça porte bien chaud à la tête, hein. C'est préparé tout. J'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui. The world, the
Pam, pam, pam. Bon alors, Nobun, comment s'est passé ton Noël? C'est une bonne nouvelle, non? C'est le plus pire Noël. J'ai pas eu des joujoux parmi eux. Je suis tellement triste. Enfin, je dis ça en plaisantant, hein, bien sûr. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais barrez-vous les bateaux là! Non, il m'a rien offert, le Père Noël. Tu rends compte? Le Père Noël, il m'a rien offert. J'ai pas été gentil cette année ou quoi? C'est mon plus pire Noël. Arrête, Kazuo. Tu sais bien que c'est mon plus pire Noël. Oh, faut qu'ils se barrent ces deux-là. Hein. C'est bon. Faites vos petits échanges et barrez-vous. Ouais, il a tout mis, ses cadeaux. Des cadeaux par milliers, il a eu. Des milliers. Ah mais ça c'était sûr, hein. Moi j'avais toujours dit, hein. Le mec il passe par les cheminées, d'accord? Mais comme il rentre chez les gens et qu'il touche les objets des gens, il pouvait attraper le Covid. C'est un salaud le Père Noël. Il n'a pas respecté les gestes barrières. Je suis sûr qu'il se lavait pas les mains au gel hydroalcoolique. Je suis sûr que l'hydroalcoolique il l'a picolé, ouais.
rigole, mais celui que ma boîte avait acheté. Le gel hydroalcoolique que ma boîte avait acheté le premier, puait la vodka. Mais grave, quoi. Je savais avec quoi ça avait été fait. Non, non. À 7h30 du matin, quand t'as la tête dans le cul, ça pue la vodka. D'abord les toiles à énergie. Après la bouffe artificielle. Vers 6h, c'est mieux. Ah, mais franchement, c'était trop bon. Allez, barre-toi! Barre-toi, j'ai envie de faire une connerie. Bien sûr, c'est important. Il faut s'hydrater. C'est de l'eau de Noël. Tu mets Noël derrière un truc, ça marche? Parfait. Ouais, du houblon de Noël. Il faut mettre houblon de Noël. Faut arrêter avec juste les termes classiques. On a encore de l'eau. Oh, on en a encore un max.
Je vais aller boire mon riz Noël. T'as bien raison. Le riz Noël, c'est très important. Je vais me faire des pâtes ce soir. J'ai encore du jus du poulet. Je vais faire un petit truc sympa. Jus de riz de Noël. Gravy. On évite une heure de pause parce que après c'est l'attaque de la base magique. Et les objets sont pas sur la grille d'électricité. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas sur la grille d'électricité, ce machin? Oh bah ça a pas marché. Ouais. Ça arrive. Que vais-je faire à manger? De la nourriture. Bon, il me reste du jus de poulet. Je pense que. Je pense que je vais faire du riz ou des pâtes. Avec du jus de poulet. Vous me saoulez avec votre poids. On savait que ça marcherait pas.
Le truc, c'est que je suis sûr qu'il m'en faudrait 4, quoi. Pourquoi mes gars, là? Ah, mais c'est l'heure de dormir. Dis donc, quand vous voulez vous y mettre à construire le truc, vous me le dites, quoi. Le jeu te met en erreur en te disant tu peux pas y aller, tu peux pas sauter parce que t'as trop de poids, et par contre il reste en mode erreur. Alors ouais, c'est réaliste niveau gameplay. Non, on n'a pas assez de ressources, quoi. Il y a les restes d'hier soir. Souvent une très bonne réponse. Putain, je peux même pas me TP, quoi. Putain.
Ouais, bon bah je suis mort. Bon, bah, le jeu est fini pour moi. Hein. Du moment que je peux pas sauter. Attaquer quelqu'un, attaquons les pirates. Ça va mal se finir, mais bon. De toute façon, la partie est terminée ici, les amis. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et toi? Ça dépend.
Désolé les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Je vous fais des bisous. Sorry. Bon. On est fini par mourir. C'est la vie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure. Ça dépendra de la motivation. Allez!